Bon, cela étant dit, nous allons jouer aujourd'hui à Last Epoch, qui est entré en accès anticipé. Ça doit bien faire un an maintenant qu'il est en accès anticipé, je crois. Hein. Ça fait un moment en tout cas, parce que ça fait un bout de temps que l'on me demande de le streamer sur le chat et que je ne le fais pas. Donc on va le faire aujourd'hui. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, Last Epoch, il s'agit d'un hack and slash, un jeu dans lequel on va tabasser des gens pour ramasser du loot. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons une multitude de classes jouables, et d'ailleurs on a même une multitude de sous-classes jouables, puisque les classes dans Last Epoch ont une classe de base, et ensuite on peut se spécialiser dans l'une des trois masteries, si j'ai bien compris. Alors je crois que toutes les classes n'ont pas toutes leurs masteries, je crois notamment que le mage, voilà, il y a une des masteries qui n'est pas encore disponible, je crois. Mais bon, le jeu étant en accès anticipé, c'est pas vraiment surprenant qu'une partie du contenu manque à l'heure actuelle. Et au passage, merci beaucoup à Monsieur Harf sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime, c'est très généreux de ta part. Et donc ouais, niveau classe, nous avons ce monsieur là qui a l'air d'être plus ou moins basé tank paladin en gros dans son délire. Toi, tu m'as l'air d'être le personnage agile par défaut. Donc probablement voleur archer entre guillemets. Lui, c'est très clairement le monsieur qui va balancer des boules de feu et des éclairs. Ce qui est rarement le concept le plus original dans les hack and slash, mais est toujours un concept très drôle à jouer. Le primaliste, il m'a l'air d'être très branché sur les familiers animaux. Et visiblement, il invoque des totems aussi, si j'ai bien saisi. Et enfin, nous avons l'acolyte qui a l'air d'être basé sur la nécromancie et ainsi de suite. Coach, je dois t'avouer que toi tu m'intrigues, donc on va commencer avec Watt, mon vieux. Standard, hardcore, je ne sais pas ce que ça veut dire ça, donc on va pas cliquer dessus et en route, mauvaise troupe. Ah, Nim sur le chat qui dit ça fait 2 ans et demi qu'il est en accès anticipé là, à cette époque. Ok. Ça fait très longtemps qu'on me demandait de le couvrir donc. Hein. Évidemment que ton village il a été brûlé, mon vieux. Tu es un héros de jeu vidéo. C'est un peu malheureux. Il devrait l'indiquer sur les offres de logement dans le monde des jeux vidéo. Attention, ici, il y a un protagoniste de jeux vidéo qui habite. Donc il y a de fortes chances que votre maison soit incinérée par le seigneur du mal. Après, probablement que ça permet d'avoir un loyer un petit peu plus réduit. J'imagine, du moins. Allez, sur le chat qu'il n'y a pas de monsieur madame pour toutes les classes, le genre d'état qui me refroidit direct. Oui, il y a littéralement aucune option de personnalisation pour les personnages dans le jeu. Ce qui est pas nécessairement choquant pour un hack and slash, parce qu'à une époque, c'était clairement pas le genre de truc qui était très commun d'avoir une personnalisation sur les classes dans les hack and slash. Il n'empêche que c'est regrettable, oui. Ouais, je conçois bien que. Ah, attendez, il y a un truc qu'il faut que je fasse avec ce jeu. Il me semble qu'il y a un mode streamer qu'il faut que j'active. Donnez-moi 2 secondes. J'aime beaucoup que dans la description du mode streamer, il marque littéralement ce réglage ne vous donnera pas de meilleur loot. Ce qui est à mourir de rire à mes yeux. Et ouais, le fait qu'il n'y ait pas de personnalisation pour les avatars, c'est pas surprenant. Je peux comprendre que ce soit décevant pour les gens. Bon, à une époque, dans les hack and slash, c'était quelque chose qui n'était jamais présent. Mais bon, c'est quand même devenu un petit peu la norme désormais. Je veux dire, même Blizzard qui est ouvertement nul à chier sur les personnalisations de personnages, ils en ont depuis Diablo 3. Bien que dans Diablo 3, elle est excessivement sommaire. Mais bon, Diablo 3, mine de rien, ça commence à dater maintenant. Donc bon, je pense qu'effectivement, les gens sont en droit de s'attendre à ce genre de feature désormais.
Ok, donc ce soir-là, il balance des projectiles à tête chercheuse, visiblement. Je suis rarement très fan des projectiles à tête chercheuse dans les hack and slash. Ils ont toujours tendance à être décevants d'un point de vue vitesse. Ou... Même sur le Nécromancien de Diablo 2, qui techniquement a un excellent projectile à tête chercheuse, j'en suis pas giga fan. Swapping skills. Une connerie sur le chat qui dit pour le DLC, c'est vrai, j'ai testé les départs des anciens esclaves qui se libèrent, c'est assez fun, mais je le trouve cheaté, on peut coloniser tous les mondes qu'on croise et les inconvénients sont compensés par des événements. Ouais, écoute, je ne sais pas, j'y ai vraiment pas du tout jeté un coup d'œil pour l'instant au nouveau DLC, donc. Ok, donc ça a l'air d'être notre ville. Mais dis-moi, t'en as un pet impressionnant, toi, mon vieux, mon loup, il fait un peu pitié à côté. Au passage, détail sommaire qui fait toute sa différence. J'aime beaucoup le fait que par défaut, le clic gauche est en click to move. Ça, c'était vraiment un truc qui m'avait effaré sur la bêta de Diablo 4, le fait qu'ils n'avaient pas de click to move. Heureusement, ils ont enfin décidé de l'intégrer. Ce qui, une fois encore, c'est des fois tu te demandes si les gens jouent à leur propre jeu vidéo. Et bon. Ça leur aura jamais pris que 4 ans de bêta pour comprendre que avoir un click to move dans un hack and slash, c'est un peu utile. Le principal, c'est que le message est rentré. Le truc avec cette classe là, c'est que j'ai l'impression que tu vas avoir un côté hybride assez similaire à ce que tu as avec le druide de Diablo 2. Mais j'imagine qu'il va probablement falloir que je fasse. Ouh, on a un bon. J'aime toujours les bons dans les hack and slash. J'imagine qu'il va falloir qu'on fasse des choix de ce côté-là. J'ai cru voir qu'il y avait une espèce de métamorphose que tu peux éventuellement débloquer. Après, jamais été très métamorphose sur le druide de Diablo 2. Pour le coup, beaucoup plus intéressé par la métamorphose du druide de Diablo 4. Celle de Diablo 2, je l'ai toujours trouvée vraiment très frustrante à utiliser. Après, j'aime bien le druide hein, dans Diablo 2, mais pas en métamorphe. Je l'aime bien en élémentaliste, mais en métamorphe, j'ai jamais été fan. Pas qu'il soit mauvais d'ailleurs, parce que le build Lycanthrope est l'un des meilleurs builds corps à corps de Diablo 2, mais. Je suis pas très fan de le jouer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Oh, il y a un gros truc qui brille. Et vous savez, moi, les gros trucs qui brillent, c'est ma grande passion. Ah non, sur le chat qui dit avec Diablo 4 qui arrive bientôt, pourquoi le joueur lambda irait sur Last Epoch? Il a une spécificité que Diablo 4 n'a pas. Ouais, un système de skill qui est pas pourri et un système de loot qui est pas pourri. Mais ça, c'est pas le genre de choses qui. Va vraiment intéresser, disons, le public principal de Diablo 4, qui s'intéresse probablement pas du tout aux complexités du genre, disons. Ce qui, une fois encore, n'est pas un défaut, c'est juste un autre public vous visez, quoi. Il y en a plein des amulettes en rubis dans le coin, là. Toujours réflexe de ramasser les bâtons dans les jeux de ce type, parce que dans Diablo 2, les bâtons sont l'une des meilleures sources d'argent que tu peux trouver. Oh, elle est stylée cette arme, on dirait la masse de Sauron dans le film d'une Seigneur des Anneaux. Ah, ça demain en plus. J'ai pas de bouclier donc pourquoi se priver? Bon. I'm serious, il dit, je sais pas d'où ça sort, mais ce début de jeu me fait penser à Sacred 1. Tu sais quoi, t'as pas nécessairement tort, la direction artistique de la première zone fait un peu Sacred, oui. Un petit peu plus lumineux. Ah, les armes à deux mains, c'est tellement fun. D'ailleurs, une des grandes tristesses de jouer Paladin sur Diablo 2, c'est que les armes à deux mains, c'est pas vraiment grandiose. Et que... Oui, vous êtes un petit peu nombreux, peut-être, les amis, là. Ça, depuis tout à l'heure, je crois que j'ai gagné un level. Il faudrait peut-être que j'y prête une petite attention au bout d'un moment.
Le loup, il a l'air d'avoir de l'initiative, à défaut de causer énormément de dégâts pour le moment, mais bon, c'est pas comme si j'avais investi dedans de toute façon. Golgot qui dit Last Epoch est un excellent outil de filtre à loot intégré, par contre le plus complexe et ergonomique que j'ai pu voir. Ouais, bah, les filtres à loot, c'est une excellente chose. D'ailleurs, dans Diablo 4, je crois qu'il n'y en a toujours pas non plus. Golgot sur le chat qui dit l'intelligence artificielle des minions est vraiment pas bonne dans Last Epoch, par contre, non. Honnêtement, c'est vraiment rare dans les hack and slash que tes invoques aient des bonnes intelligences artificielles. Généralement, elles sont toujours lentes et du coup, elles ont du mal à te suivre ou elles font de la mauvaise sélection de cibles. C'est pour ça que je trouve que c'est pas idiot les hack and slash qui te permettent d'avoir un skill qui te permet de cibler les familiers que tu disposes pour leur dire attaque cette personne. Donc ouais, dans Last Epoch, le système de skill, il est inspiré d'une multitude de choses, parce qu'il y a cet élément passif, là, qui me rappelle un peu les Titan Quest et les Grim Dawn, et il y a cet élément, là, qui me rappelle un peu davantage de spécialisation, peut-être même un peu le système de skill de Wolsen, qui d'ailleurs n'est pas une mauvaise inspiration, malgré le fait que Wolsen n'est pas un bon jeu, son système de skill avait des bonnes idées. Donc Il y a vraiment des trucs pas idiots dans le jeu. L'un des trucs les plus intéressants de Last Epoch, du moins sur le papier, c'est le fait que tu peux littéralement choisir n'importe quel skill et en faire ton skill favori. De ces slots-là que tu vas pouvoir débloquer au fur et à mesure, tu vas pouvoir coller n'importe quel pouvoir dedans. Donc par exemple là, si je veux me spécialiser en loup, et ça te permet d'améliorer ton skill de loup, comme vous pouvez le voir ici, avec une multitude de trucs qui vont te permettre de transformer ce skill, de changer comment il fonctionne et d'augmenter éventuellement sa puissance. Et ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que si t'aimes bien la boule de feu, tu peux faire un mec, ok, ma boule de feu, c'est de la bombe de balle. Et si t'aimes pas la boule de feu, bah tu fais, ok, j'en ai rien à foutre. Donc c'est plutôt pas mal, ça, comme système, je trouve. Chance d'esquive. Je vais leur donner de l'attaque et de la vitesse de mouvement. C'est l'un des trucs qui m'agace toujours dans les hack and slash lorsque tu invoques des trucs. C'est lorsqu'ils avancent pas assez vite pour attaquer les ennemis. Je ne sais pas ce que tu viens de dire, mon ami le primaliste. Je t'ai pas vraiment entendu, mais ton commentaire était probablement pas très utile dans le fond. Anne qui dit oui, mais est-ce qu'on peut faire saigner des portes? C'est ça la vraie question. Le truc est assez amusant avec le fait qu'on peut faire saigner et empoisonner des portes dans Diablo 4. Ce qu'on pouvait pas dans Diablo 2. Hein. Dans Diablo 2, quand tu croises des portes, notamment dans l'acte 5, elles sont immunisées au poison. C'est pas un problème parce qu'il n'y a pas grand monde qui joue poison dans Diablo 2 en règle générale. Quoique tu peux faire un nécro Poison Nova relativement compétent. L'avantage du nécro, c'est que t'as toujours Corpse Explosion pour faire des dégâts physiques quand tu tombes sur des Poison Immune, mais c'est pas non plus idéal, dans le fond. Y a des gens morts ici, donc j'imagine qu'il y a un... Oui, voilà, un gros messieurs. Méchant. Quoique t'as pas l'air d'être franchement efficace dans le fond. Oui, non, je t'ai un peu ruiné la gueule, il s'avère. Keeper Baltas, ils ont volé le shard. Je ne sais pas ce que c'est le shard, mec, mais je vais aller le récupérer. Hein. Je suis un héros de hack and slash, pointe-moi dans la direction où il y a des gens à tabasser, et je vais y aller. Il dit, j'imagine le Nécron qui a besoin d'un cadavre à exploser à chaque fois qu'il doit ouvrir une porte dans sa vie. Et c'est vrai que c'est pas super pratique. Après, tu me diras, les héros de jeux vidéo sont réputés pour pas savoir ouvrir les portes, donc. Notamment parce que créer des animations d'ouverture de porte est très agaçant pour les développeurs de jeux vidéo. Je dois te dire que ma résistance aux éclairs, c'est pas vraiment ma priorité numéro 1 à l'heure actuelle.
On va investir dans les lots pour le délire. Donc ouais, si j'ai bien compris, ce système-là, il fonctionne un peu comme les systèmes de spécialisation de classe que tu as dans les jeux des développeurs de Grimdawn. Et du coup, au bout d'un moment, tu vas pouvoir débloquer donc ces classes supplémentaires qui ont visiblement une super aptitude. Donc là, apparemment, la super aptitude, c'est littéralement d'invoquer un raptor. Ouais, je ne suis pas vraiment super certain de savoir comment tout cela fonctionne. Dans le fond. Yo Billy, j'étais en train de lire mon aptitude là, tu veux pas genre te calmer un peu? Merci. Ok, cooldown de 10 secondes. Truc là, je suis pas vraiment convaincu. Hein. Dès que j'ai un autre skill pour le remplacer, je vais le remplacer. Le totem, je suis pas contre par contre. J'aime toujours placer des tourelles dans les jeux vidéo. Et quelque part, qu'est-ce qu'un totem? Sinon une tourelle un petit peu roots. Dans Path of Exile, j'avais essayé de faire des builds totems, mais j'avais jamais trouvé ça super passionnant à jouer, je veux dire. Après, il y avait toujours moyen de faire des totems un peu de support rigolo. Ouh, la chute, elle va pas être fun là, mon vieux. Pour le moment, en tout cas, je regrette un peu que les groupes d'ennemis là manquent de construction de rencontres, disons. Parce que eux là, d'accord, s'ils sont méchants, ils me tapent dessus et ils régénèrent de la vie, c'est cool. Mais quand je les rencontre, j'ai pas vraiment besoin de réagir d'une manière différente que pour n'importe quel autre ennemi, disons. Ça, je pense que c'est un truc que les développeurs de Hack and Slash doivent absolument mettre de l'importance dessus, c'est composer des rencontres dans lesquelles il est important de réfléchir à ce que tu fais. Le genre du hack and slash, c'est un genre assez con, hein, dans le fond. C'est tu cliques et les gens explosent. Donc, faire un effort pour que ça aille au-delà de simplement tu cliques et les gens explosent, c'est toujours très très utile. Ok, la Tamas qui dit c'est le début. Ouais, enfin, dans Diablo 2, l'un des premiers monstres que tu croises, c'est le chaman qui ressuscite ses potes, qui est une composition immédiate de groupe, qui t'oblige à réfléchir différemment que pour les autres ennemis. Donc l'excuse de c'est le début, elle est bien mignonne, mais bon. Diablo 2 est sorti il y a presque 25 ans maintenant. Sinon, tu te retrouves dans une situation où tu fais pas vraiment attention à ce que tu affrontes. Ce qui, évidemment, est pas ce que tu veux. Après, il y a des gens qui jouent à Hack and Slash juste pour être dans un état de zen en regardant des trucs exploser dans tous les sens. Et personnellement, c'est pas vraiment ce que je veux. Je peux pas aller interagir avec les jolies arbalètes. Aldano, je sais pas si c'est moi, mais ça a l'air mollasson. Vraiment, pour l'instant, l'impact du jeu me dérange pas plus que ça. On a clairement pas le rythme d'un personnage de haut level dans Path of Exile, mais je sais pas si je considérerais ça comme un défaut, je dois dire. Malgré tout ce que j'ai comme respect pour Path of Exile, je dois avouer que le côté Sonic le hérisson que tu as à haut level me passionne pas plus que ça. Bon, c'est pareil, hein, c'est une question d'orientation dans le fond. C'est pareil dans Diablo 2, t'as toujours à haut level. Ah bah t'as pas pris ton Enigma pour te téléporter à 800 km/h à travers le champ de bataille en faisant exploser tout l'écran. Cool d'un point de vue sentiment de puissance, est-ce que c'est fun à jouer? Je sais pas. Disons que c'est pas ce que je recherche une fois encore. De ce côté-là, j'ai tendance vraiment à préférer les hack and slash qui ont un rythme un petit peu plus mesuré, tel que celui-là, ou tel que Diablo 4 aussi d'ailleurs, qui est un peu moins vif qu'un Diablo 3 ou qu'un Path of Exile. Mais bon, une fois encore, hein, c'est il y a des gens qui vont aimer une orientation ou une autre. Ouais, il faut protéger le shard.
Une porte interdimensionnelle qui m'envoie dans le fond de l'espace. Probablement une super idée. C'est parti. Sur Iggy, le feedback sonore n'est pas incroyable, mais pas mauvais non plus, ça passe pour le moment. Bon, honnêtement, les contacts au corps à corps, là, ça va. Je veux dire, j'ai pas vraiment de pouvoir au corps à corps pour l'instant, donc je ne fais que qu'utiliser mon attaque de base, là, qui est pas miraculeuse. Mais j'ai connu pire comme attaque de corps à corps de base dans les hack and slash. Puis après, il faut également voir ce que ça donne lorsque tu joues un perso. Je suis en train de me faire taper là, non? Si, ok. Quand tu joues un perso un petit peu plus magique. J'ai cru voir que le magicien était plutôt stylé. Après, j'ai jamais été magicien pur dans les hack and slash. Que ce soit le. La sorcière de Diablo 2 ou le sorcier de Diablo 3 ou même celui de Diablo 4, c'est pas vraiment mon délire. Toujours tendance à trouver ça un peu binaire, les classes magiques purement dégâts dans les hack and slash. Après c'est pareil, hein, ça dépend des préférences de chacun, disons. Je sais pas qui t'es, toi mon vieux, mais. Visiblement, tu vas invoquer, oui, voilà, un clone lorsque tu auras la moitié de ta vie. Je suis ravi pour toi. Tu fais relativement mal, Johnny, ce qui m'arrange pas des masses. En plus que j'ai plus beaucoup de potions. J'aime beaucoup le fait qu'il les ramasse automatiquement, les potions. Je peux pas spécialement regarder mon loot pour l'instant, au passage. Je crois qu'il y a un bouton de comparaison, oui, qui est là. Écoute, je suis triste, cette hache elle est stylée, mais elle est malheureusement moins balèze que la mienne. Enfin, moins balèze. Eh, quoi que dans le fond, sa visée elle a pas l'air si mal. Là, j'ai ramassé beaucoup d'armes et pas grand chose d'autre, hein. Une paire de Nike là, mais c'est un peu tout, hein. Est-ce qu'on peut dropper les objets en faisant contrôle-clic? Non, ça c'est une grave erreur, les amis. Vous avez pas joué à Diablo 2 ou quoi, bordel? Dropper la merde avec contrôle-clic, c'est la base, merde. Ouais, ça. Ah. Oh, on peut donner une attaque de saut pour mes loups. Je crois que mes loups sont en train de se battre là-haut, là, mais pourquoi pas. Invoquer davantage de loups. Ouais, le fait qu'ils causent davantage de dégâts pour l'instant, c'est peut-être pas ma priorité non plus, je dois dire. Vos loups ne peuvent pas être assommés, mais écoute, je suis ravi pour eux. Et donc visiblement chacun des petits. Des espèces de petites douanes là qu'il y a entre les skills représente le nombre de points qu'il faut investir avant de pouvoir progresser. Donc là il faut que j'investisse au moins 4 points avant de pouvoir aller choper ce pouvoir là, visiblement. Tant mieux. Golgoth, c'est un jet qui dit pour l'heure, c'est Lich qui est supérieur à tout dans Last Epoch. Bah, généralement, le Lich, surtout pour les classes au corps à corps, est toujours très puissant dans les hack and slash. C'est pareil dans Diablo 2, si tu joues un personnage qui tape au corps à corps et que t'as pas de Lich, généralement tu prends cher dans les niveaux de difficulté plus élevés. Et je viens de boire une potion sans raison apparente là. Ce qui n'était pas très malin de ma part, parce que j'ai l'impression qu'elle drop pas de manière très régulière les potions. Donc je devrais probablement éviter de les gâcher. Voilà sur le chat qui dit Wolsen, j'avais vu une très belle promo dessus. J'ai pas vu une personne qui m'a dit de le choper, même à moins de 10 euros. Olsen, il a raté son occasion 50 fois différente. Je pense qu'il faut lâcher l'affaire avec Olsen. C'est triste parce qu'une fois encore, je trouve que Olsen avait des idées vraiment pas idiotes à bien des égards, mais au bout des moments, comme
Quand à chacun des boulevards que tu as, tu les foires complètement, il y a un moment où faut arrêter d'en jeter, quoi. Désolé les mecs, je croyais que vous étiez des méchants. Wilson, je lui ai donné probablement plus de chance qu'il en méritait et dans le fond, est-ce que ça valait le coup? Je ne pense pas. Bah, c'est vraiment dommage, j'aime vraiment bien certaines des idées de Wilson. J'aime vraiment bien l'idée du système de skill, notamment. Le fait de pouvoir prendre une boule de feu pour en faire une chose complètement différente sans avoir à looter le bon légendaire comme dans Diablo 3 ou dans Diablo 4, je trouve ça très cool sur le papier. Généralement dans les hack and slash, je préfère l'augmentation de puissance des skills lorsqu'elle est poussée vers le bas par le bas que tirer par le haut. Raphaël qui dit une très bonne alternative à Path of Exile, ça reste Grimdawn. Bah, je sais pas si je dirais que c'est une très bonne alternative à Path of Exile, parce que je trouve que ce sont deux hack and slash très différents dans le fond. Après, oui, je pense pas que Grimdawn soit un mauvais jeu du tout, non. Et je sais pas si c'est vraiment le même style quelque part. Je sais pas si je vais dans la bonne direction là, mais il y a des méchants sur mon chemin, donc j'imagine que oui. Après, c'est vrai que les hack and slash, vu qu'il n'y en a pas non plus un milliard qui sortent, c'est sûr que dès qu'il y en a un qui sort, bah tu peux te dire que la comparaison avec les autres du genre vont être immédiate et inévitable, mais bon. C'est pas toujours super malin dans le fond. C'est bon, quelque part, Arma et Call of Duty, c'est tous les deux des FPS militaires, mais ils ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre dans le gameplay. Ça existe encore Arma d'ailleurs, ils font toujours du contenu, tu sais. Je vois que j'ai complètement lâché l'affaire sur ce jeu. Sur cette franchise, plutôt que sur ce jeu. D'ailleurs, en parlant de Call of Duty, il y a la bêta du promis on n'est pas Call of Duty Free to Play de Ubisoft qui est sorti, je crois. Faudrait que j'aille faire un tour dessus pour rigoler un peu. Y'a rien qui dit, y a Arma 4 en développement, il me semble. On va finir le développement du précédent avant, peut-être. Ah, oh, je suis médisant. C'est moi où je loot que des putains d'armes depuis tout à l'heure là. C'est cool hein, mais j'ai pas besoin d'autant de sélection. C'est quoi le raccourci pour le balancer par terre, mon vieux? Y'a pas de raccourci pour balancer par terre, vous êtes sérieux? Putain les gars, c'est un peu fastidieux tout ça. Doit y en avoir un, hein, mais j'imagine qu'il faut le trouver. Un peu surpris qu'il soit pas marqué, disons. Kenran qui dit l'inventaire est big en tout cas. Ouais, il a l'air d'avoir pas mal de place dedans. Après, dans les hack and slash, quoi qu'il arrive, t'auras jamais de place, jamais assez de place dans ton inventaire, mais ça c'est un autre problème. Ok, nous avons débloqué un nouveau skill. Ou un skill de soin. Je dois t'avouer que les minions, s'ils meurent, j'en invoquerai un autre. Après, en coop, ça peut être utile peut-être de soigner tes potes, j'en sais rien. C'est assez rare que les skills de soins soient très serviables dans les hack and slash. Du moins dans le sens, je veux soigner mes collègues. Les skills de soins qui te soignent toi-même, pourquoi pas, mais... Ouais, ça dépend de comment ils géraient la vie et les potions dans le jeu.
Là, j'ai l'impression que les potions, ils t'en donnent pas des masses, ce qui, à mes yeux, est une bonne chose. Alors, malgré tout l'amour que j'ai pour Diablo 2, et j'en ai beaucoup de l'amour pour Diablo 2, le côté je bois 5 hectolitres de potions de vie pour tanker, j'ai toujours trouvé ça assez stupide. Fatality Shard, je ne sais pas à quoi tu sers, mais t'es affiché dans une couleur un peu festive, donc t'es probablement utile. Alors. Dominion cause davantage de dégâts, utiliser une potion les soigne aussi. Oui, non, comme je t'ai dit, je suis pas très concerné par la survie de mes minions, je dois dire. Oui, portez deux armes de corps à corps. Pourquoi pas? Prenez plus de dégâts lorsque vous portez deux armes. Ah, intéressant. Tu prends presque 10% de dégâts en plus en portant deux armes, la vache. Vous avez davantage de vie. Ouais, écoute, pour l'instant, je ne souffre pas vraiment trop d'un point de vue survivabilité, mais on va investir dedans quand même. Ouh, je débloquais un deuxième slot. Toi, je t'ai pas vraiment essayé, mais. Qu'est-ce que tu peux faire de beau? Me soigne plus après que je me transforme. Oui, je dois t'avouer que pour l'instant, je ne me transforme pas. Ouais, je sais pas si ça va m'intéresser des masses, tout ça. Je débloque un nouveau skill bientôt. Pour l'instant, si je devais choisir un skill dans lequel me spécialiser, je pense que je choisirais le totem, qui a l'air d'être relativement efficace. Le truc étant, c'est que j'ai ce skill-là qui arrive bientôt, donc je vais peut-être attendre qu'il arrive avant de me spécialiser à nouveau. Quoi que ça se trouve, tu peux respect très aisément, j'ai pas vraiment regardé, je dois dire. Salut Sbeb sur le chat, comment ça, mec? Ouais, le totem, il a l'air plutôt efficace pour l'instant, là. Ce que j'apprécie. Mon attaque au corps à corps aussi, elle est pas mal, mais j'ai pas spécialement envie de me spécialiser dedans parce qu'elle fait exactement ce que je veux qu'elle fasse pour l'instant, ce qui est tabasser les cums. Salut, Little Papa Noël sur le chat. Un petit peu hors saison là, Noël, c'est dans longtemps. Bonjour madame, vous avez un point d'interrogation au-dessus de la tête, c'est le signe universel des jeux vidéo pour me dire qu'il faut que je vous parle. Merci pour le shard, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, t'es visiblement. Oui, c'est marrant, ce. Ah, ok, c'est une capuche, je croyais que c'était tes cheveux, mon vieux. Excuse-moi. Alors, est-ce que, comme dans Diablo 2, on peut ruiner les lois de la physique avec le bon? Visiblement, non. C'est triste. Toujours un truc que j'ai adoré avec le bon du barbare dans Diablo 2, c'est que tu peux sauter littéralement partout où tu vois tant qu'il y a une ligne de vue sur ton objectif. Donc tu peux pas sauter au-dessus d'un mur de l'acte 5, mais tu peux littéralement sauter à travers une porte grillagée de l'acte 3. Ce que j'ai toujours trouvé, mais excessivement logique quelque part. Mais bon, le bon du barbare, tu le prends pas pour sa logique. Tu le prends parce que sinon Arcane Sanctuary est un absolu enfer. J'aime beaucoup le fait également que plus tu sautes loin, plus tu sautes lentement. Nous avons gagné un level sur nos lots. Maintenant, il fait des dégâts acceptables, hein, le lot, pour l'instant. Je sais pas pourquoi ils mettent autant d'emphase sur sa survivabilité, pardon, pour l'instant, parce que il a clairement aucun problème de survie à l'heure actuelle. Après, ça va peut-être changer au fur et à mesure, évidemment. Ces espèces d'armadillos là, ils sont solides, la vache. Donc les shards que je ramasse, si je ne dis pas de conneries, ce sont les objets que tu peux utiliser pour crafter tes propres armes et coller les bonus que tu veux dessus. Il y a un autre des systèmes que je trouve très prometteur dans ce jeu. Je suis quel level, moi? Je suis level 8, ok. J'ai également Deathless, j'imagine que ça veut dire que je suis pas encore mort.
Rappelle City of Heroes. Tu débloquais un titre spécial dans City of Heroes si t'atteignais un certain niveau sans mourir. Rom sur le chat qui dit sur les boss, ils peuvent crever assez vite avec les AOE. Ah, j'aurais été surpris si ça avait été le contraire. Les boss qui butent toutes tes invoques en une demi-seconde, c'est également un grand classique du genre. C'était notamment pour ça que jouer Necro Invoque était toujours très fun contre Diablo. Le Diablo, il balance un éclair de flamme et soudainement t'as plus d'invoque. D'ailleurs, au niveau de l'éclair de flamme de Diablo, je dois avouer que c'est l'un des éléments du remaster que je trouve très raté. Putain, tu balances des belles boules de feu, toi. L'éclair de flamme de Diablo est méga classe dans Diablo 2 en version de base. Dans le remaster, on dirait un vieil éclair tout pérable, hein, c'est un peu triste. Après, elle fait toujours aussi mal. Hein. Quand on affrontait Diablo avec Starbuck, il y a un éclair qui est parti, il y a genre la moitié de ses loups qui sont morts. Oh bonjour, toi, tu m'as l'air très aimable. Tu ressembles un peu à une version malsaine de J'allais dire une version malsaine de Shumagorath. Quelque part, Shumagorath est déjà malsain dans le fond. Donc, je sais pas si t'es beaucoup plus malsain que lui. Tu me rappelles également l'un des boss qui m'a tué le plus dans Wolong. Espèce de boss à la con qui avait des bras sur le côté là. Qui était très agaçant. Enfin, il était très agaçant la première fois que je l'ai croisé. La deuxième fois, je lui ai roulé dessus. Et la première fois, il m'a un peu saoulé. Oh, des cartes Kane là, t'es. Ok, cool. Je suis ravi pour toi, mon vieux. C'est un mec qui dit j'en avais beaucoup des loups. Ah oui, non, mais ça là. Bah, d'ailleurs, le fait que tu peux avoir autant de loups désormais est l'un des changements du remaster. J'aime vraiment bien d'ailleurs sur le remaster de Diablo 2 là. J'aime vraiment bien le fait qu'ils ont changé certains trucs du jeu de base qui étaient nazes pour les rendre un peu mieux. Notamment le paladin que je jouais tout à l'heure là pendant l'intro du stream. Sur Diablo 2 de base, il est nul à chier. Sur Diablo 2 Resurrected, il est bien. Ouh, ça ressemble beaucoup à un portail de voyage. Plus de dégâts de jet. Ouh, il y a des armes de jet, mec. J'aime bien les armes de jet dans les jeux vidéo en règle générale. Cette hache est absolument magnifique, donc je vais l'équiper et je ne sais pas si elle est mieux et j'en ai rien à foutre. Si elle est mieux. Nous sommes là pour le style. Ouais, donc ça, c'est bel et bien des éléments que tu vas pouvoir rajouter sur le système de craft pour ajouter des effets. Donc ça rajoute de la vie, rajoute de la chance d'esquive, de la vitalité, de la résistance aux éclairs, et c'est ça que tu vas pouvoir utiliser pour te crafter visiblement un peu les objets avec les bonus que tu désires obtenir. Je sais pas ce que c'est, tu mènes plus 1 par point, mon vieux, mais. Je vais continuer à me mettre là-dedans. Hein. J'espère que c'est utile. Si ce n'est pas utile, c'est la vie. Ah, c'est pas mal ça, dis donc. Ah, tu peux le transformer en skill avec un cooldown. J'aime vraiment bien ce système. Ça me rappelle vraiment l'un des délires de Wolsen qui est prends ton pouvoir et fais-en un truc complètement différent. Parce que là, swipe, c'est littéralement mon attaque de base. Que je peux utiliser à la chaîne, mais je peux le rendre plus puissant en lui rajoutant un cooldown, ce qui change complètement son rôle. J'adore ce genre de système dans les hack and slash. On peut invoquer des scorpions aussi. Et bon, je pense pas qu'on atteindra la spécialisation sur le stream, parce que je crois que ça se débloque assez tard. Si j'ai bien compris, du moins. Mais si on y arrive, on va clairement prendre le mec qui invoque des scorpions et des tigres et des raptors.
Je sais pas si vous êtes bien les autres, mais vous n'avez pas de raptor, désolé. Dans la vie, il faut avoir des raptors. Eh oui, Deckard Cain, donne-moi des trucs. Merci. Et alors, je dois t'avouer, Johnny, que je fais partie de ces gens qui jouent au hack and slash pour hacker et slasher. Donc, tes états d'âme, je m'en cogne un peu beaucoup. Désolé. Je ne fais pas partie des gens qui apprécient les démons qui racontent désormais leur vie dans Diablo. D'ailleurs, ça, c'est un des changements que j'aime pas dans le remaster. Le fait qu'ils ont donné des lignes de dialogue à Diablo. J'aimais bien quand Diablo, il apparaît, il faisait juste... Et après, il te tapait la gueule. Ça, c'est un vocabulaire que je comprends et que je respecte. Sais pas si c'est par là qu'il faut que j'aille, mais vas-y. Y a des trucs qui ont l'air de se mettre à jour, donc j'imagine que c'est par là qu'il faut que j'aille. Ah bah c'est clair, ils sont plutôt stylés les mecs, ils sont plus stylés que ceux de Diablo 4, ce qui est pas dur, ceux de Diablo 4 sont immondes. Et ça me donnerait presque envie de jouer un sorcier, presque. Le gars qui dit un hammer dingue nul à chier, j'y crois zéro. C'était pas un hammer dingue, j'étais en train de jouer pendant l'intro. C'était un paladin Holy Bolt Fist of Heaven. Rien à voir avec. Avec un hammer dingue. Ils ont d'ailleurs bougé la. La synergie de Holy Bolt qui était autrefois sur Blessed Hammer pour la mettre sur Fist of Heaven. Honnêtement, le Blessed Hammer sur Diablo 2, c'est un build qui est très puissant, mais tellement inintéressant à jouer. Comme beaucoup de builds très puissants dans Diablo 2. Radio sur le chat qui dit je m'étais fait un paladin Holy Bolt gamin juste parce que je trouvais ça stylé, c'était effectivement de la chier. Ah bah oui, hein, à l'époque le Holy Bolt il était pour âme, déjà ça touchait que les morts-vivants. En plus le Holy Bolt il perçait pas, donc c'était un peu une catastrophe. Maintenant c'est pas mal. Ouais. D'autant plus que grâce à la synergie absolument grotesque sur Fist of Heaven, tu peux utiliser FOH sur les monstres et Holy Bolt sur les démons et les morts-vivants. Tu peux même soigner ton mercenaire avec, ce qui est cool. Bon, après, la synergie pour soigner, elle est sur l'aura de prière et. Soyons honnêtes, personne n'investit dans l'aura de prière. Moi, ça peut être cool si t'as éventuellement un mort unique qui te donne une aura de prière, mais je doute beaucoup qu'il y ait des gens qui utilisent le l'aura de prière. Dans le fond. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai flingué un mort unique sur la mauvaise arme, j'étais très heureux. J'ai collé un insight sur une arme d'Ast qui s'est avéré que ce n'était pas une arme d'Ast, c'était une lance, et du coup, ben, c'était pas insight. Et du coup, bye bye mes runes. Après, c'est pas trop grave parce qu'il y a une seule rune de précieuse sur Insight, mais bon. D'ailleurs, pour ça que j'étais en train de farmer des runes pendant l'intro là. J'étais un peu vénère. Ouais, ce qui me vénère le plus, c'est pas d'avoir perdu la rune, c'est d'avoir garaché mon slot d'armes sur une arme que j'ai absolument aucunement l'intention d'utiliser. Mais bon,
c'est pas trop trop grave. Ça va vite de remonter un perso jusqu'à l'acte 5 dans le fond. Avec mon écran, j'ai eu du bol, j'ai looté direct une arme d'ast éthérée à l'acte 5, du coup j'ai... Oh putain, il m'en a filé des shards, lui la vache. J'ai looté directement une arme d'ast éthérée à l'acte 5, donc j'ai pu la slotter directement en insight, ce qui est vraiment cool. Et plutôt rare pour le coup. Et j'aimerais bien en choper une pour mon pala ou... Donc honnêtement, le pala, j'ai pas des gros problèmes de mana avec. Peut-être plus le barbare dans le fond. Je suis pas encore sûr de ce que je vais faire avec mon barbare. La prochaine fois que je croise un pont comme ça, il faudra que j'essaie de voir si on peut sauter au-dessus. Je pense pas, mais ce serait très drôle. J'aime vraiment bondir comme un abruti dans Diablo 2. C'est un de mes trucs favoris avec le barbare. Je prends toujours le bon, même lorsque ce n'est absolument pas bon, justement, pour mon build. Homéopastis qui dit le fameux mort unique avec Io et Lo. Ah oui, non, faut toujours faire gaffe avec les morts uniques. Surtout quand tu utilises des runes un petit peu coûteuses. Bon là, ça va, honnêtement, sur Insight, la seule rune précieuse, c'est Sol, donc pas la fin du monde. Tu peux aisément la dropper sur la comtesse en Nightmare, c'est pas un souci. Pour les gens qui, pour les gens qui contrairement à moi, n'ont pas passé des milliers d'heures sur Diablo 2, ça doit être absolument incompréhensible ce que je raconte depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Une fois encore, j'ai un peu beaucoup joué à Diablo 2 dans ma jeunesse. Peu beaucoup, tout petit chouille. Ok, donc ça c'était bien un téléporteur. J'imagine que tout ça c'est la pro. Oh, par contre, les mecs, vous auriez pu choisir une fonte encore plus microscopique pour le nom de vos destinations. Là, la vache, les mecs, voulaient que je sorte la loupe. Donc ouais, j'imagine qu'à terme, on va débloquer tous ces endroits, là. Honnêtement, je suis pas très fan de la présentation de ça, là, je dois dire. La fonctionnalité des waypoints, évidemment, est excellente. Visuellement, je trouve ça un peu confus, par contre. Un peu chargé, en quelque sorte. Ok, j'imagine que vous allez... Oui, voilà. J'allais dire, j'imagine que vous allez ressortir de là en très bon état, mais il s'avère que oui. Honnêtement, leurs effets électriques, ils sont pas inintéressants, je dois dire. Ok, monsieur me balance un Final Flash en pleine gueule. T'es mignon, Vegeta, mais tu gagnes aucun combat, donc ferme ta gueule un peu. Bon, je dis ça, je suis pas très à jour sur Dragon Ball Super, donc peut-être qu'il gagne des combats de nos genre. Après, il souffre un peu, malheureusement. Enfin, c'est d'ailleurs lui l'un des initiateurs du syndrome du personnage secondaire de Shonen, Vegeta. C'est oui, j'ai 10 fois plus de personnalité que le protagoniste, mais comme je m'appelle pas Son Goku, c'est jamais moi qui gagne. Ce qui est vraiment très triste. C'est d'ailleurs très triste dans tous les Shonen. Dans tous les Shonen, ton personnage favori, c'est jamais le mec qui est sur la couverture du manga. Excellent. Level 10, bah voilà, on a débloqué une nouvelle aptitude. Rogue level of Shuriken Shard, je suis ravi. Alors, fais voir un peu... Ah, c'est cool ça, ça va soigner mes potes. Fais voir à quoi il sert le Tempest Strike. Une attaque de corps à corps qui, lorsqu'elle touche un ennemi, peut déclencher... Ouh, ok, ça a l'air d'être un équivalent de l'un des pouvoirs de Paladin de Diablo 2.
peux déclencher un sortilège au hasard avec une chance de 20% chacune. Bien. Je vais tourner. Écoute, on va te tester. Minimum skill level increased. Ok, donc ça augmente le nombre de points de skill que tu as lorsque tu te spécialises dans un skill en particulier. Bah, je vais pas me spécialiser tout de suite en Tempest Strike, hein, on va le tester un peu avant. Après, une fois encore, je prends des précautions là, mais ça se trouve, tu peux respect comme un porc dans ce jeu, j'en ai aucune idée. J'ai tendance à me méfier, puisqu'en ce moment, je joue beaucoup à Diablo 2. Et dans Diablo 2, tu ne peux pas respect comme un porc. Je suis très étonné, par contre, pour l'instant, de toujours pas avoir trophée de putain d'armure. Hein. J'ai toujours mon slip de base là, ce qui est un peu triste. Ça drop beaucoup d'armes, mais pas grand chose d'autre là depuis tout à l'heure. Ah, encore une paire de Nike, vas-y, fais des tours. Plus 2 d'intelligence. Est-ce que tu m'as regardé, mon vieux? J'ai l'air d'être un mec concerné par mon intelligence. Alors, il faut que je retourne là-haut, je crois. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Je casse des tours qui dit Dragon Ball, le manga dont l'auteur oubliait l'existence de certains persos. Ah bah ça, oui. Après, quand tu connais le rythme et la structure de travail des mangaka au Japon, tu comprends un peu. C'est d'ailleurs assez amusant, enfin amusant et pas le bon mot. C'est assez intéressant, disons, lorsque tu lis les interviews de certains mangaka parfois. Je ne sais plus c'était l'auteur de quelle série qui avait été une fois interviewé en France où il avait dit que le traitement des créateurs de mangas par les Français était très différent de celui des Japonais parce qu'en France on le considérait comme un artiste alors qu'il avait plutôt l'impression d'être un créateur de produits. C'est une industrie enfin, tu me diras, au Japon, de toute façon, il n'y a que ça, des industries extraordinairement cruelles. Ouais, donc, je vais déclencher les 100 au pif avec ça. Je sais pas si je suis giga fan. C'est bien que ce soit très drôle, faire jaillir des trucs dans la gueule des ennemis. En règle générale, je préfère savoir ce que je fais quand je clique dans les jeux de ce type. J'ai également l'impression que l'attaque a moins d'air d'effet que mon attaque de base. Après, peut-être que la spécialisation pourrait me permettre de rendre le sort un petit peu moins random, je ne sais pas. Mais pour le moment, j'ai l'impression que l'autre pouvoir de corps à corps va davantage me plaire. Le côté multi-élémentaire aussi me rappelle un peu le pouvoir de Paladin qui fait un peu la même chose dans Diablo 2, dont j'étais pas méga fan non plus d'ailleurs. L'une des raisons pour laquelle j'en étais pas fan, c'est qu'est-ce qu'il bouffe comme mana ce putain de pouvoir? C'est pas sur ce bouton qu'il fallait appuyer, c'était sur celui-là. Après, ça a l'air de causer des meilleurs dégâts mono-cible, ce pouvoir. Mais je préférais mon aptitude de corps à corps qui balayait un peu. J'ai également l'impression que le rythme d'attaque est peut-être un peu moindre. Et je me fais peut-être des films, là, c'est... Arrête sur le chat qui dit c'était pas l'auteur de l'attaque des titans qui a dit ça récemment quand il est venu en France. Peut-être, ouais, je dois t'avouer que je ne me souviens plus où est-ce que j'ai vu ça. Ouh, tu m'as l'air un peu dangereux, toi. Tu me rappelles ce boss dans la bêta ouverte de Diablo 4 qui... a passé genre 25 minutes à nous botter le cul avec Starbuck lorsqu'on était tous les deux sur notre droïde.
Ah, toi, tu me rappelles un boss de World of Warcraft, mon vieux. Pas mon boss favori, je dois dire. J'espère qu'on va pas te rentrer à l'intérieur comme celui de World of Warcraft pour le coup. Il te touche le totem là, j'ai l'impression. Je pense que je vais peut-être me spécialiser dans le totem en fait. Il a l'air d'avoir le potentiel à être drôle le totem. C'est un mec sur le chat qui dit ouais il était relou lui avec ses potes qu'il relevait en permanence. Oui surtout le connard d'inquisiteur avec ses chaînes de merde là. Il était particulièrement casse-couille. Après honnêtement le design de cet avant-poste là était très très réussi j'ai trouvé sur Diablo 4. J'aime vraiment bien ce qu'ils ont fait sur les vampires sur Diablo 4, ils sont super stylés. Tu es mort. Pas de loot, mon vieux? Ah, tu sais, moi, quand je vois un portail interdimensionnel, faut même pas me demander, faut que je rentre dedans direct. Bon, t'es mignon, toi, mais je préfère l'autre. Et on va se spécialiser en totem. Alors, coûter moins de mana pour l'instant, ça me dérange pas trop, le mana. Avoir des chances de balancer davantage de projectiles, je suis assez fan par contre. Chance de critique, je m'en fous un peu. Donc ça, c'est le genre de modificateur que j'aime beaucoup dans un hack and slash. Donc là, à la place de balancer 50 milliards d'épines, le totem, il en balance qu'une seule, mais elle fait très mal. Et ça, je trouve ça vraiment très drôle. Ouh, une chance de congeler également. Ouais, invoquer davantage de totems, je sais pas si j'en ai vraiment besoin pour l'instant. Après, sur les boss, ça pourrait être utile. Ouh, ça pourrait être drôle. Ça invoque tous tes totems en maximum en forme de bague autour de l'ennemi. Combiné avec celui-là, là, qui en fait une espèce de railgun, ça pourrait être très rigolo. Ma foi. Oh, avec des dégâts de poison. J'ai malheureusement le réflexe que le poison c'est naze parce que je joue trop à Diablo 2. Et ça se trouve, dans ce jeu-là, le poison c'est bien, hein. Salut Ornifiscal sur le chat. Oh, bonjour toi. Toi, tu fais très Monster Hunter comme design, mon vieux. Ce qui n'est pas nécessairement un défaut, hein. Je devrais utiliser plus souvent le hurlement de mon loup au passage que j'oublie complètement d'utiliser à chaque coup. % de réflexion de dégâts. Tuez-vous en me tapant dessus, les amis. Merci, Moko. J'aime beaucoup le fait que le bonus des hôtels s'applique aux pets également. Très malin, ça. Donc ici c'est ambiance dinosaure. J'ai cru comprendre que le scénario de ce jeu était très basé sur le voyage dans le temps. Après, comme vous l'avez remarqué, je ne prête pas beaucoup d'attention à ce qu'on me dit depuis tout à l'heure. C'est pas vraiment pour ça que je joue à un hack and slash, personne. Putain, j'ai enfin trouvé une putain de tenue. 32 d'armure, 20 d'armure, mais écoute. Balance. C'est pas vraiment le design le plus stylé, mais bon. Sais pas où ça va, ça, mais je vais rester dans le coin pour l'instant. Hein. La fiscale qui dit alors, là, cette époque, ça donne quoi pour jusque-là? Bah écoute, pour l'instant, ça m'a l'air relativement solide. Le gameplay, clairement, a un niveau de production assez modeste. Qui s'explique très probablement de par le budget, probablement lui aussi assez modeste du jeu. Et ça fonctionne et ça a clairement des systèmes qui ont l'air d'avoir un potentiel vraiment intéressant sur le long terme. Le système de skill façon passif, là je trouve ça cool.
Parce qu'une fois encore, ça me rappelle les jeux des créateurs de Titan Quest, qui généralement sont des bons jeux. Et ce système-là, je suis vraiment très fan. Continuer à investir dans cette direction-là. Les loups peuvent faire saigner, je suis ravi pour eux. Donc ouais, ça m'a l'air plutôt bien glandé pour le moment. Je dois avouer par contre, et c'est d'ailleurs un truc que je reproche à beaucoup de hack and slash ces dernières années, je trouve la caméra trop zoomée. J'ai d'ailleurs le même problème avec Diablo 4. Je trouve vraiment leur caméra trop zoomée de nos jours, les hack and slash. Je préférais qu'ils dézooment un chouïa. Ou qu'ils nous donnent l'option de le faire, au pire. Relou, toi, derrière, là. Le design des monstres est un petit peu répétitif jusqu'à présent avec ces monstres de Void là qui ont l'air d'être très clairement l'un des groupes de monstres principaux chez les ennemis. Le fait qu'on voyage dans le temps et que du coup on croise des dinosaures, c'est plutôt cool par contre. Plutôt rigolo. Y en a un qui dit la caméra trop zoomée, c'est un enfer, je trouve même Pathfinder, des fois ça me fait tiquer. Ouais, ils ont vraiment tendance à abuser beaucoup sur les zooms sur plein de genres de jeux désormais. C'est également très chiant sur les shooters à la troisième personne. Ouais, comme très souvent, c'est des choix artistiques qui ont parfois des raisons techniques, mais il n'empêche que je préfère un zoom un petit peu plus reculé sur mes hack and slash. D'autant plus lorsque tu vas jouer, bon là c'est pas vraiment le cas, mais d'autant plus lorsque tu vas jouer un personnage avec des aptitudes principalement à distance. On peut casser la statue, non? C'est dommage. Bien casser les choses, les jeux vidéo. Y'a rien qui dit avant c'était dézoomé car c'était moche de près. Oui, enfin, tu sais. Diablo 2, quand il est sorti, il était moche de près, il était moche de loin. Donc, c'était pas vraiment un choix pour justifier ça, dans le fond. Ouais, vraiment, le remaster de Diablo 2 est très très réussi sur le plan visuel. C'est un peu sombre hein, ici, je trouve aussi. Ça nuit un peu à la lisibilité de ce qui se passe. J'évite de changer de cible quand je vous affronte, lui. Parce qu'il se régénère méga vite et c'est très relou. Oh, le loup, t'es décédé, mon vieux, c'est triste. Hein, je crois que j'ai ouvert un tonne portal. Si c'est moi qui l'ai ouvert, c'était une erreur de ma part. Si c'est moi qui l'ai ouvert, j'ai pas fait exprès, les amis. J'ai dû appuyer sur T par erreur. Le junior qui demande si c'est une limitation technique. Bah pour certains jeux, notamment sur les shooters, le fait de zoomer à donf sur le personnage peut être, oui, une limitation technique. C'est un peu comme ces FPS à une époque sur console qui avaient tous des FOV extraordinairement limités. De moins t'affiches de trucs à l'écran, bah, mieux le jeu tourne en règle générale. Balancer toutes ces armes que je collectionne sans raison apparente. En temps normal, évidemment, je rentrerai en ville pour aller les vendre, mais bon, pour un stream, on s'en bat les couilles.
Donc on va les balancer par terre et faire comme si on n'avait rien vu. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas de raccourci pour balancer les choses au sol plus rapidement, par contre. J'imagine qu'il y en a peut-être un et que je l'ai pas vu, mais... De devoir drag and drop les trucs, c'est... Enfin, drag and... click and drop pour le coup, c'est pas ce qui est le plus pratique. Ouais, le loup, il prend un petit peu plus de dégâts dans la gueule désormais. Ça va clairement devenir un peu plus utile de m'inquiéter de sa survie. Après, t'as pas besoin de cliquer sur le loup pour le raise. Apparemment, il suffit de rester proche de lui et ça le raise automatiquement. Ce qui est cool. Ah, j'aurais peut-être dû investir là-dedans, moi. Écoute, c'est pas grave. Amir Wizardry sur le chat qui dit pour faire de la place dans l'inventaire, si tu veux, t'as un bouton pour transférer tous tes matériaux. Ouais, j'ai vu, mais honnêtement, pour l'instant, je ne fais que très peu attention à ce que je ramasse. Et une fois de plus, j'arrête pas d'ouvrir des taux de portail Fire en appuyant sur T au lieu d'appuyer sur R. Écoute, c'est la vie. Ce pouvoir-là, faut que je le remplace par quelque chose parce que je m'en sers pas du tout. Starbuck qui dit tiens, j'ai capturé un ours sur Wartell, c'est increvable avec tous ses points de vie. Oui, alors par contre, j'espère que t'as remarqué que l'ours mange autant que 4 personnages. Donc si jamais t'es en déj de nourriture, fais gaffe. Mais oui, l'ours est un excellent tank. Tant que t'affrontes pas des pestiférés, c'est un excellent tank. Régulard qui dit l'ours mange comme un ours. Ah oui, non, les animaux déjà mangent davantage que les humains dans Wartells parce qu'ils ont pas de salaire à payer, donc d'un point de vue équilibrage, il fallait qu'ils soient plus coûteux d'une autre manière, mais l'ours est particulièrement coûteux. Après, honnêtement, en début de partie, je trouve que choper un ours, c'est excessivement rentable. L'ours fait vraiment très 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 bien son taf au début. Ouais, une fois encore, si t'as pas de ranger avec le pouvoir pour contrôler les animaux, j'aurais tendance à me méfier des animaux. Après, il y a un build sur Wartells avec l'archer, justement, je pense qu'il peut être très valable. C'est le build qui lui permet de choper un des pouvoirs passifs des animaux qui l'accompagnent. Du coup, tu peux récupérer le buff de 50% aux chances de coup critique des loups. Ce qui est valable. Mais bon, après, faut avoir envie de se trimballer 3 loups, quoi. Je dois dire que je n'ai pas spécialement envie de me trimballer 3 loups. Mais Wizardry qui dit j'étais intéressé par Wartell, mais les avis disent que le jeu est bien trop facile, vous savez si c'est vrai. Bah, il y a une difficulté hein, que tu peux augmenter dans Wartell si tu le trouves trop facile. Après, je pense pas que c'est un jeu très dur dans sa difficulté normale, non? Et je crois en plus que tu peux changer de difficulté pendant ta partie, donc. Si jamais tu trouves ça trop dur ou trop facile, ou si tu veux changer en cours de route, je crois que tu peux. Et Johnny, j'aimerais bien que t'arrêtes de me jeter, je ne sais pas ce que c'est, mais. Mais je suis pas fan. J'ai cliqué sur mon taunt portal parce que j'ai une fois encore ouvert mon taunt portal par erreur. Va falloir que je change le bouton de taunt portal, c'est une absolue certitude. Ok, donc on a débloqué un nouveau skill. Ah, ça a l'air d'être l'équivalent de Hurricane dans. Diablo 2, ça, ce qui est un excellent skill dans Diablo 2 pour le coup. Il va falloir que je bouge le bouton de taunt portal. Ulikos the Betrayer, tu t'appelles toi? Ça veut dire que t'es très honnête, c'est ça?
Oh putain, tu fais relativement mal, mais... Si j'avais le temps, là, je remapperais les touches pour les... Et avoir l'équivalent de mes boutons sur Diablo 2 Remastered, parce que... J'ai pas le bon réflexe d'appuyer sur les bons boutons, là. Mais bon, c'est pas trop grave. Beaucoup de monstres qui régénèrent de la vie dans ce jeu. J'ai l'impression que c'est peut-être une particularité de cette famille de monstres là. Ouais, quoique, en fait, ça n'a pas l'air d'être tant que ça une particularité de cette famille de monstres. L'Hurricane là, il a l'air d'être pas trop mal. Il dure pas bien longtemps par contre, mais j'imagine que c'est quelque chose que tu peux améliorer à terme. Et dans le fond, pour le moment, j'ai absolument zéro problème de ressources. Ce qui est un problème qui va probablement se présenter plus tard, donc le fait qu'il dure pas longtemps est pas non plus trop grave. Le fait que de base cette classe d'invocateur là est autant orientée corps à corps est plutôt cool. Généralement les invocateurs dans les hack and slash sont principalement à distance. C'est bon, même le druide de Diablo 2, bien que tu peux le jouer au corps à corps, dans le fond c'était également un mage. Ça plutôt chouette. Moi ouais, j'imagine évidemment rien ne t'empêche à le jouer à distance aussi, mais je dois avouer que j'aime bien son efficacité au corps à corps pour l'instant. Il y a visiblement mon loup qui est en train de s'embrouiller avec quelqu'un là, mais j'espère que ça se passe bien, fils. Nous avons débloqué le cri de guerre. Repousse les ennemis et les stun pendant 1,5 secondes. Ok. L'autre, pourquoi pas. Le cooldown est un peu long. Mais ça pourrait être utile. Donc dans le fond, je sais pas si j'ai vraiment besoin d'un cri de guerre à l'heure actuelle. Un cri de guerre qui buff, je dirais pas non, mais... Ouais, techniquement, un cri de guerre qui buff, j'ai celui du loup. Hein. Que j'oublie tout le temps d'utiliser, mais ce n'est pas grave. C'est l'ingénieur qui dit tu n'as que le loup en Suman. Pour l'instant, oui. Après, il y a visiblement un ours, des scorpions, des tigres à dents de sabre et des raptors avec cette classe aussi. Je ne crois pas que les autres sous-classes invoquent des trucs, par contre. Ah bah si, tiens, lui, il invoque quelque chose. Hein. Et lui, il se transforme également en ours, visiblement. Je suis ravi pour lui. Et je crois que la... L'adepte, elle s'appelait, la magicienne. Un petit peu dark de tout à l'heure a également des invoques. Il y a l'une des zones de boss de Ulduar ici. Qui me rappelle vraiment pas des bons souvenirs. Ulduar est probablement le raid de World of Warcraft que j'ai le plus farmé parce qu'il y a une paire de bots pour mon Death Knight qui refuse de dropper là-haut. M'agace beaucoup. En plus, c'est pas le raid le plus fun à farmer à cause de la phase avec les tanks au début. J'imagine que t'es sympa, toi.
Non, tu vomis de la lave sur mon loup, fort bien. Au passage, le loup, il a pris méga cher. En même temps, Billy était en train de te tenir dans la lave. Tu t'attendais à ce qu'il se passe quoi exactement? Hein? T'attendais à ce qu'il se passe quoi? Il y retourne en plus de cela, fantastique. Et donc finalement, les pouvoirs qui vont me permettre de soigner le loup, ils vont peut-être être plus utiles que je le pensais. Ton aptitude de vomir de lave est plutôt stylée, mec. J'aimerais bien que tu t'abstiennes de la vomir sur moi, mais... Loin de moi l'idée d'être exigeant, hein. Je vais pas tarder à mourir. Je vais essayer de ramasser cette potion de vie, là. Merci beaucoup. Honnêtement, malgré le fait qu'il s'est fait buter tout à l'heure, le loup, il fait plutôt du bon taf, hein, niveau tank. Et, il a morflé, mais il a survécu, hein. Est-ce que cette grosse hache est mieux que ce que j'ai? Parce que je dois t'avouer que la lance, aussi performante soit-elle, elle est quand même vachement moins stylée. Mais non, elle a pas l'air mieux, la hache, ce qui est triste. Les Nike, elles sont plus classe, donc on va les équiper. Le fait que tu aies la comparaison directe est cool. Une fois encore, je trouve qu'ils ont utilisé des polices de caractère un peu rikiki, par contre. Pourtant, je suis loin d'être très myope. Mais... J'apprécierais que ce soit un petit peu plus mis en avant, en disant. Arrête de me dropper des armes pour gens civilisés, mec. Je ne suis pas civilisé. Pour moi qui dit le retour des saucisses de loup. Ah bah, dans ma partie de War Tales, là, je suis désormais le roi du monde niveau cuisine. J'ai débloqué genre 50 putains de recettes différentes. Ce qui d'ailleurs à mes yeux est vraiment pas idiot. Parce que je trouve que gérer la bouffe est plus vital que gérer l'argent dans War Tales. T'es rarement dans l'urgence de payer tes soldats, à moins que t'aies vraiment fait de la merde. Du coup, avoir... Ouh, t'as l'air très énervé, toi. Tu me rappelles un peu les acolytes de Darkest Dungeon 2, là. Ils passent leur temps à me coller des coups critiques dans la gueule. Et non, je désire pas me manger un coup d'épée dans la face. Si tu veux tout savoir, le loup est là pour ça. Django qui demande si certaines recettes comptent comme plusieurs rations. Oui, même toutes les recettes quasiment comptent comme plusieurs rations. C'est l'un des gros intérêts des recettes. J'ai certaines de mes recettes qui comptent comme 16 rations, par exemple. Après, évidemment, elles demandent des ingrédients un petit peu subtils. Qui plus est, au fur et à mesure, t'as également des recettes qui filent des buffs. Et tu peux également débloquer à terme une marmite avancée qui te permet de booster les buffs des recettes. Mon campement, il est plutôt avancé là dans War Tales. Alors qu'en plus, j'ai recommencé une partie dès le départ après le stream parce que sur le stream, j'avais mis en difficulté adaptive et je ne suis pas très fan de jouer en difficulté adaptive. Ah mais non, ce qui dit depuis la 1.0, accumuler de l'argent semble bien plus facile que dans l'Early Access. Ah, je trouve pas. J'ai vraiment jamais eu trop de problèmes d'argent dans War Tales. À part quand je faisais vraiment le con. Généralement, tant que tu fais au moins une ou deux quêtes par semaine, tu as largement de quoi survivre. Qui plus est, en début de partie, tu peux vraiment super facilement faire du fric en ramenant des prisonniers à la prison de Tiltren, qui en plus de ça est placée juste à côté de la ville.
trouver des bandits, c'est pas compliqué. Et en plus de ça, t'as pas besoin d'argent en continu dans War Tales, donc... Hein, ça sert pas à grand chose de stocker genre 10 000 pièces d'or, parce que tu vas pas acheter grand chose à 10 000 pièces d'or. Tant que t'as genre... suffisamment d'argent pour payer 2 ou 3 salaires sur toi, t'es plutôt relax. C'est vrai qu'il y paraît, je suis en adaptive et j'hésite à recommencer, mais bon, j'ai presque 20 heures là. Ouais, j'aime vraiment pas, perso, la difficulté adaptive. Dans tous les jeux vidéo, de toute façon, généralement. Donc, c'est pour ça que j'ai recommencé. Je trouve ça tellement plus fun de jouer en difficulté preset. Alors, ça donne quoi, ça ? Chance de critique supérieure. Écoute, je suis assez curieux de débloquer ça là, à terme, donc vas-y, on va investir là-dedans. Je te débloque au niveau 5. Ouais, donc ils te donnent deux slots de spécialisation relativement vite et après ils arrivent un peu plus tard. Elstrom, est-ce qu'il y a moyen de le rendre plus long ? Ok, on peut visiblement transformer le Maelstrom en tsunami. On peut également transformer le Maelstrom en sort de soin, apparemment. Écoute, ça m'a l'air très intéressant tout ça. Peut-être que ce sera notre prochaine spécialisation, le Maelstrom. Anne, vous avez pas dit qu'on pouvait changer la difficulté, du coup on peut pas changer si c'est en adaptif. La difficulté et le mode adaptif sont deux choses différentes. L'adaptif, ça n'a pas grand chose à voir avec ta difficulté, ça a à voir avec le niveau des ennemis. Et oui, la difficulté, tu peux la changer en temps réel, il suffit de cliquer sur l'espèce de petit engrenage qui est à côté de ta sauvegarde, je crois. Et pour ce qui est du mode leveling, tu peux pas le changer, je crois, en cours de route. Ce qui est d'ailleurs pas très surprenant vu les implications que ça a. Level 13. Qu'est-ce qu'il est, ce monstre, je trouve. Ok, alors, tu fais quoi, toi? Ouais, prendre le truc qui soigne un peu mes minions quand je bois une potion, ce serait peut-être pas idiot, dans le fond. J'ai pas l'intention de mettre tous les points dedans. Mais mettre un point, ce serait peut-être pas con. Ça veut dire, du coup, quand je bois une potion, au moins il récupère la moitié de ce que j'ai pris avec la potion. Je vais foutre un point dedans pour l'instant, ça suffira bien. Ah, ça améliore les totems, ça. Bah oui, pour l'instant les totems, je les trouve plutôt cool. Et Mrocknex, il faut pas oublier que Diablo 4 a aussi du scaling. Oui, je déteste d'ailleurs le scaling de Diablo 4. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je trouve que l'open world de Diablo 4 sert vraiment à que dalle. Ok, toi tu vas pour le moment te transformer en truc dégueulasse, j'imagine. Je croyais que t'allais dire accept nothing less, mon vieux. Comme si t'étais une pub pour une carte bleue. Ah, t'invoques une aire d'effet autour de toi. Écoute, moi aussi, regarde, c'est stylé. Ah, toi aussi, tu balances des... Ok, le Kamehameha, il fait un peu mal. La vache.
Il m'a littéralement vaporisé, lui, à tel point que j'ai T-posé au milieu de la zone. Du coup, tu m'as fait respawn où, là? Tu m'as fait respawn littéralement devant. Je sais pas si je suis giga fan de ça. Stay back. Et je me passerai également beaucoup du fait de reparler au boss avant le combat. Je me passerai déjà beaucoup du fait de parler au boss tout court. Je sais pas comment je vais l'esquiver son Kamehameha au passage parce que il a l'air d'avoir une vitesse de rotation excessivement élevée là. Je ne conçois pas vraiment comment je vais l'éviter. Je pourrais éventuellement sauter au-dessus, mais mon saut il se recharge pas vite, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, Orobis, mec. J'espère que tu m'en voudras pas. Ok, donc c'est l'heure du Kamehameha. Si je suis pas devant quand il l'invoque, ça va, mais dans le cas contraire, je suis dans la merde, hein. Eh bah écoute, j'essaye, hein. T'es mignon, mec, tu crois que je fais quoi exactement là? Je t'avoue que personnellement j'ai toujours été davantage Morrowind que Oblivion, mais est-ce que tu veux? Pas encore, Robis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Presque insultant quand tu me dis de te tuer, mec. Un peu comme si t'avais pas remarqué que j'étais en train d'essayer depuis tout à l'heure. Et le loup, il a pas trop kiffé le Kamehameha. Cela dit, une fois encore, le loup, pour l'instant, il a une survivabilité qui est pas trop mauvaise. Hein. Je veux dire, il en prend plein la gueule, mais il survit. La musique est un petit peu hors sujet sur ce combat, par contre. Je m'attendrais à quelque chose d'un petit peu plus dark et dramatique, là, niveau musique, vu les circonstances de cette rencontre avec Elder Panion. Cool. Il y a le plafond qui se tombe sur ma gueule, mais c'est pas grave. Arrête de me dropper de la merde, de trucs de mage de merde là. Drop-moi des grosses haches pour mec stupide. Un noir qui dit j'ai probablement plus joué à Daggerfall qu'aux autres. Oh putain, Daggerfall il était tellement buggé mon vieux. Les jeux Bethesda et les Elder Scrolls ils ont toujours été très buggés, mais alors putain, Daggerfall c'était quelque chose. Hein. Daggerfall, c'était une catastrophe niveau bug. Cool. Écoute, on va continuer à investir là-dedans. Augmente les sortilèges des minions. Oui, je sais pas si vraiment ce que mon loup fait peut être considéré comme un sortilège, mais. Ah. Bonjour, toi, t'as un cerveau au-dessus de la tête, mon vieux. Visiblement, j'ai une fois de plus accompli une quête. Décidément, quel aventurier extraordinairement doué. Un chat qui dit c'était peut-être le mode streamer qui a désactivé certaines musiques. C'est possible, mais la description du mode streamer parle surtout de
Rendre le jeu plus compatible avec les logiciels de capture de vidéo. Après, oui, effectivement, tu as peut-être pas tort là, tu sais. Je ne saurais te dire. Putain, désormais j'en ai deux des loups. Ok, ici la thématique ça a l'air d'être plus élémentaire façon Draika là. D'ailleurs je crois que ces cames là tu peux en invoquer avec la classe que je joue. Avec l'une des spécialisations. J'imagine que ce sont des invoques un petit peu plus sortilèges que physique. Ça aurait beaucoup de sens en tout cas. Et je ne suis absolument pas contre les invoques sortilèges. J'essaye d'ailleurs toujours désespérément de faire des builds utiles avec les squelettes mages dans Diablo 2, malgré le fait que 20 ans plus tard, ça reste un peu de la merde, mais... Ça pourrait éventuellement être drôle. Ouais, je crois que la sous-classe qui les invoque, c'est la sous-classe un peu plus basée sur la métamorphose. Ce qui m'intéresse moins, je dois dire. Après, honnêtement, pour l'instant, je la trouve plutôt chouette, cette classe. Je sais pas si c'est la classe que je jouerais si j'essayais tout le monde, mais je la trouve plutôt sympa. Elle a cet aspect fun des classes hybrides où il y a toujours quelque chose que tu peux faire d'original et de différent de ce que tu fais déjà. Enfin, j'imagine évidemment qu'à terme tu veux probablement pas trop t'hybridiser de manière à être efficace, mais je la trouve plutôt chouette pour l'instant. Il y en a un qui dit qu'ils sont bons en même temps les squelettes mages de Diablo 2. Oui, je les trouve d'ailleurs infiniment plus classe que ceux de Diablo 4. Mais même les squelettes de base, je les trouve infiniment plus classe dans Diablo 2 que dans Diablo 4. Surtout que dans Diablo 2, au fur et à mesure que t'investissais des points de skill dans le pouvoir d'invocation, les squelettes devenaient de plus en plus stylés. J'ai l'impression que mes dégâts commencent un peu à être en retrait là par contre. Il va probablement falloir que je chope une nouvelle arme. Ou alors c'est peut-être simplement ces ennemis-là qui sont plus robustes, ce qui est également possible. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus sensibles aux dégâts physiques qu'aux dégâts élémentaires. J'ai l'impression que mon ouragan leur fait des dégâts un petit peu plus élevés que mes autres aptitudes. Je commence à me demander si j'ai très envie de spécialiser le totem avec l'aptitude qui en fait une espèce de railgun. Sur le papier, ça a l'air stupide, donc évidemment je suis intéressé. Mais je trouve également que le côté multishot est plutôt efficace dans le fond. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu, c'est un peu le bazar là-dedans. Bouclier, c'est pour les gens subtils. De la merde, ça. En fait, je crois que c'est plutôt celle que j'ai qui est très... Ouh, ça a l'air subtil, ça, tiens. Vas-y, balance! Je sais pas si c'est mieux, mais c'est plus joli, donc balance.
Et aujourd'hui, on va arrêter les lances. Et puis en plus, ça me déprime les lances parce que ça me rappelle mes runes que j'ai gâchées dans une lance sur Diablo 2. Donc vas-y. Agnès qui dit il y a trop de problèmes dans les niveaux de difficulté élevés de Wartell pour me dire que ça vaut le coup de faire une partie en mode difficile. Écoute, personnellement, je joue en confirmé là. Ouh, lui il a l'air sympa en bas. Je joue en confirmé. Je crois que ça s'appelle confirmé la difficulté que je joue dans Wartell, qui est la deuxième plus élevée. Et je trouve pas le jeu spécialement dur. Hein. Bien surtout, vu le genre dont il s'agit. Un jeu très 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 dur. Il y a une multitude de manières également de rendre le jeu moins punitif. Ça va, Guilly, pareil, même limite un peu facile en confirmé. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien mettre le zoning en mode non adaptif parce que du coup, là, vu que je roulais un peu sur la gueule de tout le monde dans la zone où je me trouvais, je suis allé dans une zone où les ennemis sont de plus haut level que moi. Pour avoir un peu plus de challenge. Imaginez un seul chat qui dit en coop, Wartell, je me demande comment ça marche. La réponse est que ça marche pas très bien. J'aime beaucoup Wartells, mais je dois avouer que le mode coop, je le trouve assez médiocre. Ah, ça sent le niveau favori de Starbuck. Ouais, le mode coop de Wartells, bof. Le fait qu'il t'ait séparé, mais pas vraiment, et que tu puisses interagir, mais pas vraiment, c'est typiquement le genre de truc qui me donne pas vraiment envie de jouer à plusieurs. Ce qui est dommage, parce qu'en combat, c'est fun, mais tout le reste du jeu est pas très adapté à la formule. Je pense une fois encore que le jeu et sa structure étaient vraiment pas pensés pour le multi à l'origine et que du coup l'intégration du multi a pas super bien fonctionné. Ouais, c'est quand même cool d'avoir l'option, hein, mais. C'est clairement pas un jeu que j'achèterais pour le coop, disons. Ah ouais, qui dit j'ose espérer qu'ils retravailleront plus tard. Honnêtement, j'en doute. Je pense vraiment que le truc malheureux, c'est que la structure du jeu est vraiment pas adaptée au coop et que du coup, faudrait revoir une grande partie de l'architecture du jeu pour. Et soyons honnêtes, c'est probablement pas un très bon investissement pour eux, à mon avis, de revoir toute l'architecture du jeu pour. Donc ça, le truc que je me demande vis-à-vis de la connexion, c'est... J'imagine que c'est seulement les points que je mets dans ce pouvoir-là qui comptent, hein, pas dans ce pouvoir-ci. Je vais essayer juste pour la science. Ouais, non, donc c'est bel et bien que ce dans ce pouvoir-là, fort bien. Alors, nous avons débloqué Upheaval. À ne pas confondre avec le skill qui a exactement le même nom dans Diablo. Écoute, t'as le potentiel d'être drôle, mon vieux, mais. Ouais. Bruitage fait un peu de la peine, par contre. Écoute, on va tester, hein. Ben, j'ai un sur le chat qui demande, et donc ce Last Epoch, plutôt cool, finalement. J'aime beaucoup le système de skill, en tout cas. Pour le reste, c'est compétent sans être extraordinaire, mais le système de skill est vraiment très cool. C'est bien que les apologistes de Diablo 4 auront probablement un avis différent, mais c'est tellement plus fun
rendre un skill bien par tes choix que parce que t'as looté le bon objet. Ok, vous vous faites excessivement mal. Il a pas l'air mal ce sort là, par contre, vraiment déçu par le bruitage. S'il y a bien un genre dans lequel les bruitages sont importants en plus, c'est bien les hack and slash. Ça joue vraiment beaucoup sur le sentiment d'impact. Et je dirais d'ailleurs que le bruitage de cette attaque là, elle est plutôt cool. Alors une fois encore, j'ai noté des réservations parce que j'ai activé le mode streamer et peut-être que c'est à cause du mode streamer. Pour l'instant, je trouve la musique franchement hors sujet. À part la musique en ville qui, sans surprise aucune, semble être une espèce de pseudo-hommage à la musique de Tristram. Je dois dire que je ne suis pas très enchanté par l'aspect enrobage musical. Ce qui évidemment n'est pas un aspect majeur de ce genre de jeu, mais bon, ça reste un peu dommage. Les hommages à la musique de Tristram dans les hack and slash, ça commence un peu à me faire le même effet que le 0451 dans les Deus Ex Like. C'est-à-dire que c'est une référence qu'on commence à tellement connaître que ça finit par être plus agaçant que adorable. Bon. Les dégâts élémentaires des araignées, là, ça plaisante pas du tout, hein. On va mettre un point là-dedans. La map aussi, je la trouve un peu trop zoomée, comme la caméra, en fait. Là, je dois te dire qu'ouvrir la carte ne m'aide pas vraiment. Dans le fond. Ça me détaille pas beaucoup plus que la... que la minimap. Bien que j'apprécie la présence de la minimap. Là, je crois au final que le pivot, je vais peut-être le... je vais peut-être le garder, parce qu'il fait des dégâts relativement acceptables. Allez loup, faites du boulot, là, je suis en train de looter. Papa est en train de faire des courses. On a une grosse mimine, toi, mon ami. Putain, il commence à faire bien mal, les ennemis, ici. Faudra que je fasse un petit peu plus gaffe à mes résistances, là. Ça le vale plutôt un rythme appréciable pour l'instant, je trouve. Ni trop rapide, ni trop lent. Invoquer des Stormcrows. On va... oh, ça me fait de la peine d'enlever le bon, mais on va l'enlever juste pour tester le nouveau pouvoir. Une invoque temporaire ou une invoque permanente? Ça a l'air d'être une invoque permanente. Alors le truc relou, c'est que ça compte dans ma limite d'invoque, ce qui veut dire que je peux invoquer qu'un seul loup quand j'invoque un Korbach. T'as dit Korbach qui balance des éclairs, je suis pas contre, hein, plutôt stylé dans le fond en plus. J'imagine que pour tanker, t'es vachement moins utile par contre. Ah, et je peux également closer une zone de dégâts sur le sol avec Formé. Hein. Après, j'ai cru voir dans l'arbre de spécialisation de mes loups que je peux largement augmenter ma limite de pet à terme. Donc, hein, je pourrais peut-être combiner les deux au final.
Le fait que ça fasse des dégâts élémentaires est plutôt cool. J'ai l'impression que les dégâts physiques ont pas nécessairement la plus grande des efficacités contre certains des ennemis dans la région. Il a l'air de faire plutôt mal le corbeau en fait. Il fait même bien mal en plus son autre pouvoir. J'apprécie vraiment que c'est désormais devenu quasiment. Enfin. J'allais dire quasiment systématique, mais disons régulier dans les hack and slash désormais que le pouvoir des invoques sert pas uniquement à invoquer les créatures. Que le bouton sert à autre chose, quoi. Là pour le coup, le sortilège qu'il balance, le corbac, est plutôt efficace, donc c'est cool. Évidemment, je pense que pour tanker, le loup va être mieux. Quoique pour tanker, probablement l'ours va être mieux. Et pour l'instant, je l'ai pas, l'ours. En plus que le loup, j'ai tendance à toujours oublier à utiliser sa putain de rage. Je ne suis absolument pas contre les petits pouvoirs de foudre du corbac, là. Très stylé. Honnêtement, je suis plutôt agréablement surpris, bien que surpris est peut-être pas le bon mot sur Last Epoch. Je trouve ça très compétent. Et clairement, la force du jeu va venir de l'intelligence de son système de skill et également de son système de craft. Bien clairement, le niveau de production est pas au niveau de certains hack and slash un petit peu plus bling bling de ce côté-là, ça ne fait aucun doute. Mais d'un point de vue gameplay, c'est très efficace tout ça. Et dans le fond, c'est ça qui compte. Donc. Je dois avouer que les cormocs là, plus je l'utilise, plus il m'intéresse là. Peut-être qu'on va arrêter d'être spécialisé en loup et qu'on va commencer à être spécialisé en corbac à terme. Oh le loup, au passage, tu pourras arrêter d'être mort s'il te plaît. Ce serait cool. J'avais été sur le chat qui dit c'est un corbeau au Templier qui est la Psystorm. Ouais, c'est vrai que l'effet fait un peu penser à la Psystorm de Tassadar. Le pouvoir qui a changé d'effet 43 fois dans Heroes of the Storm. Il savait vraiment pas ce qu'il voulait faire avec Tassadar. Il savait vraiment pas ce qu'il voulait faire avec tout le jeu de toute façon. Heroes of the Storm. Quel gâchis ce jeu. Farewell. Du coup, maintenant, augmenter les effets de sort de mes minions, ça m'intéresse beaucoup plus, effectivement. Vu que j'ai désormais réellement un minion qui balance des sorts. Ah, ça pourrait être pas mal, ça aussi. Ah, donc ça te permet d'avoir un loup en plus encore. Ouais, donc tu peux respect de manière relativement libre, mais tu perds évidemment l'XP du skill que t'avais spé dedans.
Je pense qu'avoir une respec relativement libre pour un jeu avec un système de skill aussi détaillé est une très bonne chose. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donner du leech à mon pet, ça me paraît pas être la pire des idées. Non, c'est un chat qui dit le pire, c'est qu'il était pas nul, Heroes of the Storm. Ah non, mais une fois encore, hein, comme je le dis à chaque coup, Heroes of the Storm, je pense pas que c'était un mauvais jeu, je pense juste que Blizzard a fait de la giga merde avec. Ce qui est triste, mais bon, c'est la vie, hein. J'aille là, je sais pas comment on va y aller, mais on va essayer. Ah, les jeux online, c'est pas toujours aisé, hein. Mais bon, il y a vraiment pas d'excuses pour comment ils ont géré Heroes of the Storm. Ça me rappelle une fois encore que la bêta de X Defiant est sorti là, il va falloir que j'aille y jeter un petit coup d'œil pour pouvoir vous faire une vidéo dessus. Je pense vraiment pas que ça va être ma cam, mais bon, on va quand même essayer, hein. Il y a également le FPS de Cosmonaut là qui est sorti, je sais plus comment il s'appelle. Sur lequel il faudra que je jette un coup d'œil aussi là. Y'a rien sur le chat qui demande, et Aïna, est-ce que t'as testé? Écoute, au fur et à mesure des alphas, Aïna, je vais finir par y jouer. Les deux premières alphas, je l'ai même pas installé. La dernière alpha, je l'ai installée, mais je l'ai pas lancée. À terme, on va peut-être finir par y jouer, oui. Après, je dois dire que je ne suis vraiment pas confiant vis-à-vis de la pérennité de ce jeu, mais bon, on verra. Je leur souhaite tout le succès du monde, mais j'y crois très moyennement. Se recharge pas méga vite, par contre, le truc de foudre. Il est possible qu'évidemment tu puisses changer ça avec ta spécialisation. Regarde sur le chat qui dit en parlant de Xtrucmuche, il y a Xenonauts 2 en dev. Oui, bah ça fait un moment qu'il est en dev, Xenonauts 2. Oh, j'étais en train de lire le chat et soudainement j'ai vu une tonne d'araignées arriver dans ma direction. Voilà. Gentiment attendre. Et le loup il commence à prendre vraiment cher là. Je pense que c'est en grande partie dû au fait qu'il y a davantage de dégâts élémentaires qui arrivent là. Cadran sur le chat qui demande si Aïnes c'est pas le jeu de Creative Assembly. Si, c'est ça. Ouais. C'est leur hein, espèce de shooter multijoueur compétitif là qui intéresse littéralement personne. Après ils ont fait vraiment du très mauvais travail sur leur communication dessus donc hein. Le fait que ça intéresse personne c'est un peu de leur faute aussi dans le fond. Mais pour le coup tu peux te foutre de la gueule d'Ubisoft avec XDefiant et compagnie mais au moins XDefiant, tu vois, il est jouable et tu peux le montrer. Et du coup, les gens savent un petit peu qu'il existe. Alors, il n'y a pas grand monde qui est excité à l'idée, hein, mais les gens savent un petit peu qu'il existe. Alors que à Hyenas, non seulement il n'y a pas grand monde qui est excité à l'idée, mais il le cache comme si c'était le secret le plus honteux de l'univers. Ce qui est rarement un bon signe.
Après, j'avoue que au royaume des jeux vidéo avec des noms de merde, XDefiant, il est imbattable. Hein. Putain. Je sais pas comment ils sont démerdés, mais... C'est vraiment un nom à la con. Ça évoque littéralement rien. En plus, à une époque, il s'appelait Tom Clancy XDefiant, mais ils ont enlevé le Tom Clancy dans le titre. Ce qui est à mourir de rire. Ils se sont dit... Non, attendez les gars, il y a encore des gens qui comprennent de quoi on essaye de parler là. Est-ce que vous pouviez enlever le Tom Clancy? C'est encore trop compréhensible. Les joies des décisions marketing. Dernier Nord qui dit contrairement à The Division Heartland, beaucoup trop caché à mon goût. Ah bah y'a pas de secret, hein. Généralement quand les bêta ou les alpha des jeux vidéo sont très... Quand elles sont très discrètes de ce niveau-là, c'est généralement parce que ils sont pas très confiants vis-à-vis de l'état actuel du jeu. Merde. Tu vois qu'il y a la bêta de XDefiant là chez Ubisoft qui est disponible et que tu peux montrer et que tu peux streamer et ainsi de suite. Bizarrement, la dernière bêta de Skulls and Bones, tu pouvais pas la streamer. Je me demande pourquoi. Donc oui, il y a toujours un petit degré de... Pour l'instant, notre jeu, c'est un peu de la merde, donc on préférait éviter que les gens le voient. Ouais, XDefiant, vraiment le titre, hein. Pas vendeur du tout. Qui plus est, le concept du jeu est pas nécessairement idiot. Bien que ce soit pas un truc qui m'attire beaucoup. Vu qu'ils essayent littéralement de faire le Team Deathmatch de Call of Duty en free-to-play, qui est le seul truc qui est pas en free-to-play dans Call of Duty sur leur multi, donc c'est pas idiot. D'un point de vue placement, mais... Un point de vue comme, c'est quand même un peu chelou. Putain, ça m'a fait bien mal, ça. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. Yosko sur le chat qui dit Skull and Bone, la NDA, c'est pour pas spoils le lore. Elle est bonne celle-là, tiens. À Skulls and Bones, la dernière alpha, je crois qu'elle a refroidi, mais alors, les dernières personnes qui étaient pas encore complètement refroidies par le jeu. Ça a eu un effet assez drastique, je crois. Zage, merci beaucoup à Gergal sur le chat d'avoir offert un abonnement à Yosko, c'est très généreux de ta part. Je sais même pas où je vais là, honnêtement. Un qui dit Ubi cherche encore son free-to-play, ils ont très peur de se foirer encore. Ouais, mais... Ben... Après, on peut pas leur enlever qu'ils essayent au moins des trucs. C'est pareil, Hyperscape s'est complètement foiré. Hein. Mais dans le fond, il y avait quand même une idée à essayer de faire quelque chose avec. Ce qui est déjà pas mal pour un éditeur de cette taille. Après, oui, ils ont pas eu beaucoup de succès avec leurs essais ces derniers temps. Je m'expliquerai toujours très peu l'existence de Rainbow Six Extraction, perso, mais bon. Je me demande s'il y a encore des gens dessus sur Rainbow Six Extraction.
concept sans intérêt par excellence. Ben Strange qui dit Roller Champion. Ouais, et puis ils ont également sorti un jeu de Dodgeball là récemment, je crois. Parce qu'ils m'avaient envoyé un mail pour que je le stream et j'ai fait semblant que j'avais pas vu le mail. Mais bon, au moins ils essayent des trucs. Je crois vraiment qu'Ubisoft, en fait, ils sont à la recherche de leur prochain Rainbow Six Siege. Et malheureusement, ils le trouvent vraiment pas. Et je pense que la raison pour l'une des raisons du moins pour lesquelles ils le trouvent vraiment pas, leur prochain Rainbow Six Siege, c'est que Rainbow Six Siege, ils l'avaient trouvé un petit peu par hasard. Et parfois, c'est quand t'essayes pas de trouver des trucs que tu les trouves. De toute façon, honnêtement, dans tout ce qui est le milieu des shooters compétitifs multijoueurs, je trouve qu'il y en a beaucoup trop de nos jours. Et je conçois bien qu'ils rêvent tous de d'être le prochain à la mode et compagnie, mais il y en a tellement et d'un point de vue joueur, je vois vraiment pas l'intérêt qu'il y en ait autant. Le Soul Resipo machin chouette là, tu veux pas genre mourir? Très cool. Pour autant qu'un gros frigo qui tire des lasers puisse mourir. Ah oui, c'est sur le chat qui dit en vrai XDefiant pour y avoir joué est plutôt cool pour ceux qui cherchent autre que Call of Duty et il a un bon compromis. Ah mais j'en doute pas hein, qu'il va être relativement compétent. Hein. Et je ne doute pas également que ça suffira probablement pas, mais on verra. Mais le truc qui est très cruel aussi avec les jeux de ce genre, c'est que si la communauté suit pas, que le jeu soit bien ou pas, dans le fond, ça n'a aucune importance. C'est un peu le malheur des jeux de ce type. Un mec sur le chat qui dit je suis toujours en deuil de Battlefield. Honnêtement, Battlefield, ça fait tellement longtemps que je suis en deuil perso, je suis un peu passé à autre chose. Le dernier Battlefield sur lequel je me suis vraiment éclaté, c'était le 3, et ça remonte quand même à très longtemps maintenant. Il paraît que le récent, là, le 2042, je crois, il s'appelait. Il paraît qu'il s'améliore au fur et à mesure des patchs, mais. Pour ce genre de jeu, c'est. Si tu foires ta sortie, c'est vraiment difficile de revenir. C'est vraiment, vraiment difficile de revenir. Après, Electronic Arts et DICE, c'est vraiment des spécialistes là-dessus. Hein. C'était pareil avec leur Battlefront là. Qui était sorti tout pourrave et apparemment était devenu vachement bien plus tard. Ouais, c'est cool, mais plus tard, bah, tout le monde était parti sur la conclusion que Battlefront c'était de la merde, donc personne n'y jouait. Faire une sortie de merde sur les jeux multi, c'est encore plus cruel que sur les jeux solo. Eh bah tiens, c'est le chat qui dit ah bah le 2042, les devs ont carrément refait des aspects entiers du jeu. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Mais je crois malheureusement que c'est trop tard, quoi. C'est quand même un truc de ouf en plus quand tu considères le fait qu'à une époque, le duel des FPS multi, c'était Battlefield contre Call of Duty, et maintenant. Ils opèrent vraiment à des niveaux différents. Ce qui est d'autant plus triste que, dans le fond, je préfère largement le multi de Battlefield à celui de Call of Duty, mais bon. Je peux pas enlever à Call of Duty le fait que
Ils ont réussi leur transition hein, vers l'âge moderne de manière beaucoup plus compétente. Oh, t'es pas relou, toi, derrière. Pas relou et solide en plus. Le bestiaire est plutôt varié dans le jeu hein, pour le moment. Je regrette un peu que cette famille d'ennemis là soit un peu trop homogène sur le plan du design peut-être. Au point de nuire un petit peu à l'identification de chacun. Mais au-delà de ça, le bestiaire est plutôt bien fourni. Je trouve tout de même, comme je disais tout à l'heure, que ça manque un peu trop de distribution de rôles originaux. Dans les différents monstres. Il y a quand même un petit peu plus d'effort là pour hein, que ta réaction à chaque groupe d'ennemis ne soit pas simplement de tabasser le premier mec qui s'approche et de passer au suivant. Mais ça manque quand même d'interaction un petit peu plus poussée, disons. J'aime bien le rythme du jeu en tout cas. Plus ça va et plus je trouve que les hack and slash gagneraient à ralentir plutôt qu'à accélérer. Après, il y a beaucoup de gens qui sont d'un avis complètement opposé là-dessus. Il y a également beaucoup de fans du hack and slash Sonic le Hérisson. C'est une question de préférence. Oh bah t'es mignon toi. C'est quoi, c'est la nouvelle évolution de Licky Tongue? C'est ça? J'avais pas vu les mecs derrière, vous avez l'air de jouer à The Human Centipede également, c'est vachement fun. Vous savez comment occuper vos week-ends, c'est le principal. Fantastique, j'ai visiblement rempli une quête. Vous faites vraiment très bobo, vous les mecs, hein. Je suis pas fan. Et en plus, c'est un cul-de-sac, ça. Bah, c'est le sur le chat qui dit je préfère aussi les rythmes lents. Je trouve que les hack and slash rapides manquent vraiment d'un aspect dramatique dans les combats. Ouais, et puis honnêtement, je trouve également que les hack and slash super rapides, à terme, ça devient vraiment de la purée, les combats. Et tu cours dedans avec ta fourchette et tu sais vraiment pas ce que tu bouffes, mais tu le bouffes, quoi. Et je trouve pas ça très intéressant. Je trouve également que dans les hack and slash supra rapides, t'as tendance à te retrouver sur un équilibrage des combats qui est très tout ou rien. C'est-à-dire, t'arrives sur l'écran et tu flingues tout le monde, ou alors t'arrives sur l'écran et tu te fais one shot, et y a pas vraiment d'entre-deux. Une fois encore, je trouve pas ça très intéressant, hein, dans le fond. Mais bon, y a des gens qui aiment. Hein. Volcan sur le chat qui dit tous les hack and slash post Path of Exile deviennent une bouillie de pixels fast-paced en endgame. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que dans Path of Exile, je préfère largement la phase de leveling que le endgame, qui est pourtant censé être ce que tu poursuis dans le jeu. Une fois que tu arrives en endgame, je trouve une fois encore que le gameplay devient vraiment sans intérêt. Après, tant mieux s'il y a des hack and slash de familles différentes de ce côté-là. Hein. Comme ça, il y a des options pour les gens qui aiment l'un
Et des options pour les gens qui aiment l'autre. Faut encore, je pense qu'avoir des options, ça profite à tout le monde dans le fond. Welcome to the chat qui dit la faute à Path of Exile. C'est pas vraiment la faute à Path of Exile. Je sais pas si t'as déjà vu quelqu'un jouer à Diablo 2 à haut level, mais... C'est littéralement, je me téléporte partout sur l'écran avec le mana infini et je clique une fois pour tuer 600 monstres. C'est pas très différent. Hein. Et pour une fois, j'ai ouvert le Tone Portal sans le faire par erreur. Et c'est pas merveilleux tout cela. La distribution d'une multitude de quêtes comme ça, c'est pas non plus mon modèle de présentation de contenu favori dans les hack and slash. Normalement dans les hack and slash, j'aime bien quand j'ai un gros truc rouge à faire, et une fois que j'ai tué le gros truc rouge, il y a un prochain gros truc bleu à tuer maintenant. Je suis pas vraiment très fan d'avoir à réfléchir sur les directions à suivre. Après, ça a pas l'air d'être de la réflexion très avancée, soyons honnêtes. Bon, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Last Epoch, que je trouve très sympathique. Le système de skill a vraiment un potentiel indéniable, ça ne fait absolument aucun doute. Il est peut-être même pas impossible que je le restream une autre fois à l'avenir, peut-être avec une autre classe, histoire de voir un peu ce que ça donne. Je trouve ça plutôt réussi. Et ça fait vraiment plaisir de voir un système de skill qui soit pas complètement branded dans un hack and slash moderne. Il y a vraiment un côté à l'oversimplification, je trouve, dans beaucoup de hack and slash désormais. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. C'est tellement plus fun d'être puissant parce que t'as choisi comment tu voulais être puissant que d'être puissant parce que t'as looté l'objet qui... Maintenant, ton skill, il est bien. Je trouve vraiment que c'est absolument incomparable du point de vue du niveau d'investissement du joueur. D'autant plus qu'ici, c'est toi qui choisis dans quoi est-ce que tu es spécialisé grâce à leur système de slot là-haut, là. Plutôt que... Ah bah tu voulais être bon en boule de feu, c'est bête, parce que t'as looté la légendaire pour l'éclair en chaîne, et bah du coup, tu vas faire un mec en éclair en chaîne. Ce qui... Perso, m'intéresse beaucoup moins. Une fois encore, hein. Chacun son délire quelque part.